que je méfie. Si je l'aggro, il peut. Il peut quasiment moins me chat. Donc. Vu le niveau de vie que j'ai là. Bon. C'est par là. Je dois... Ouais, c'est ça. Du coup, je crois... j'ai un doute. Je crois qu'il faut passer par là pour monter. Hein. Non, non, c'est pas ça. Je dois prendre par là. Et Atreus a beaucoup de partisans dans le quartier du Calice. Il ne faut pas les laisser s'organiser. Allez sur leur territoire et montrez-leur quelle est la force de Dombvis. Faut que je monte. Quelqu'un a enlevé un précieux démon de pierre de la maison Primula. On ne peut pas laisser un tel forfait sans punition. Retrouvez le démon et le coupable avec. Je suis hors de portée. Il me faut une cible. Il est bugué, mais il arrivait à me blesser, quoi. Enfin, c'est... D'accord, ok. Wow, il y a quelques bugs, là. Mais... Ah, c'est pas vrai! Eh bien c'est bien, libère-moi le chemin. Bon là, t'aurais pas pu trouver un endroit un peu moins hostile, toi? Sérieusement? Sombre salutation. Bon. Sans entrave. Nous allons affronter l'inexorable infinité des ténèbres. Et nous serons c'est... ensemble. C'est bon, toute la, toutes les invitations ont été lancées. Du coup, j'ai couvre-bras et Ben. C'est du caca. Non, franchement, c'est pas. Enfin, c'est. Non, c'est nul.
Alors, bien, il semble que le quorum soit réuni. Vous avez fait tout ce qui était possible pour nous à ce stade, sans entrave. C'est désormais à moi qu'il incombe de persuader ces vieux imbéciles de tourner le dos au plus puissant monarque qu'il leur ait été donné de servir pour se ranger sous ma bannière. Celle d'un rebelle voué à l'échec, porteur d'un nouveau projet. Voyons si je suis encore capable de convaincre un auditoire. Souhaitez-moi bonne chance. Assistez à la réunion de la cour des moissonneurs. Nous sommes condamnés. Maintenant que nous avons combiné les médaillons, nous pouvons nous emparer de Ravendress. Dites plutôt que vous pourriez prendre le contrôle. Ce n'est que le délire égoïste d'un prince qui voudrait retrouver sa gloire perdue. Le marché entre Denatrius et le geôlier nous jettera en pâture à l'antre. J'entends préserver nos traditions. Si cela fait de moi un égoïste, j'ose espérer que vous l'êtes vous aussi. Assez de vos grands discours. Vous ne pourrez jamais vaincre le geôlier et le maître. Mes vives pierres ont déjà bien assez souffert. Je refuse de les compromettre à nouveau. J'en ai assez entendu. Cet usurpateur exige nos médaillons, mais n'offre rien en retour. Oh, Renatal, si seulement vous aviez eu la même passion il y a si longtemps. Je trouve ça absolument captivant. Mais je dois bien me ranger à leur avis. Il vous manque une monnaie d'échange. Ah le coup dur! Ah le coup dur! Ah l'échec critique! Ah il a lancé un D20, il a fait un 1! Ah la vache! Aïe aïe aïe! Ah l'échec critique! Ah là 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 là! Ah je te prends pas pour jouer avec moi à Donjons et Dragons toi! C'est quoi cette petite quête là? Point d'expiation sans sacrifice. Puis hop. Point de pardon sans expiation. Ah oui, c'est les épreuves, ok, ça c'est les épreuves pour faire pour faire les. Ah comment c'est? Les. Quand on va dans les autres mondes. Enfin voilà. Bref. Approchez, cher catalyste du changement. La fatalité a le charme des choses simples. Quoi, c'est tout? Bienvenue à vous qui êtes condamnés avec moi. La pénurie, l'absence des âmes, le geôlier. Ah, et c'est ça le truc. C'est que maintenant il va falloir que j'accumule de l'anima parce que ça va être sa monnaie d'échange. Bon, on est où là en tout cas? Ouais, d'accord, on est en plein milieu de là. Ok, c'est encore un lieu bien sympa ça pour mettre un personnage de quête. Franchement, je trouve ça super. Bon, enfin bref. Du coup, on est un peu coincé. Du coup, on est un peu coincé parce que là, c'est de la quête de farm. Faut du farm en fait. Ce qui est un peu con. Et ce qui me plaît pas vraiment, à vrai dire. Ouais. Non, il voudra pas me ramener, lui.
Bon, bah du coup, je peux prendre quoi? Je peux aller par là. Hop. Hop, normalement si je saute là, je vais mourir, mais au moins j'arrive. Voilà, juste devant le fly. Cet endroit. Puis je peux tout de suite réactiver un pierre d'or. Même si en soi je vais être à tombe vise, donc c'est pas. Peut-être que j'ai. Ouais, c'est pas grave. Je la réactiverai dans 10 minutes, de toute façon, voilà. C'est juste une sécurité au cas où. Alors, voyons un peu. Ça, c'est un échec. Du coup... Ça. On va envoyer des mecs... Alors, je sais pas pourquoi. Nadia, la lame fantôme, je peux plus l'envoyer en... Mais peut-être parce que je suis lié à elle. Alors, si j'envoie... J'ai manqué d'un peu de vie. Oh, tant pis. Hop. Au moins, je suis sûr de gagner. Donc ça, ok. Là, j'ai encore un peu d'anima. C'est un massacre. Clairement, j'avais pas besoin d'en envoyer autant. Ici, c'est encore de l'anima. Hop. Alors, pareil, hein, y a des personnages, là, notamment Boulette et Cronan, que j'ai récupéré en faisant Tourment. En fait, je les ai récupérés à Tourment. Que je voulais revenir en arrière. Et le reste c'est de l'XP. Ouais. Est-ce que deux jours non 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 pas deux jours. Hein. Pas deux jours. Hein. Donc 5 x 6 bah chaque fois 30. Du coup là je vais récupérer 30, 60, 90 déjà. Donc là déjà dans quelques heures je récupère 90 de... Ouais dans 5 heures j'aurai récupéré 90 de d'anima. Ce qui représente 9% de ma quête. Pour le reste en fait, ben c'est les quêtes habituelles de... Attendez, il y a un truc là. Il y a quelque chose là. Non,
Oh, quel arôme exquis! Hanté, vous seriez un délice. Ah! À force de vous côtoyer, je me suis aperçu que nous étions des âmes sœurs, vous et moi. Oh là. J'ai tout de suite été séduit par votre combativité. Et depuis, je suis bien incapable d'envisager la vie éternelle sans votre présence envoûtante. Lions nos âmes et unissons nos cœurs pour toujours. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah, je le fais bien pour l'emblème de renom. Hein. Quel charme! L'allégresse de ma démarche n'a d'égal que la légèreté qui a envahi mon âme. C'est une expérience à marquer d'une pierre blanche. Fou, oui, mais mal élevé. Ça y est, j'ai enfin mon renom de niveau 7. Bon, du coup. J'ai quelques petits trucs éventuellement. Du coup. Ah oui, ça c'est le truc que j'ai vu. Alors, du coup, j'ai ça. Ouais. Ah oui, il faut d'abord j'active. Ok. Mais lui, je peux l'activer aussi, du coup. Hop. Du coup... Ah non, donc c'est pas... Non, c'est pas ce que je veux. Je voudrais d'abord l'activer de ce côté-là. Et là, il me faudrait un renom de niveau 7 pour pouvoir activer. Ok, soit j'applique. Et voilà. Et je reste avec. Pour le moment, je reste lié à Nadja. Parce que j'ai plus d'avantages à être lié à elle. Bon, ok. Donc, ça, c'est une chose de faite. L'influence de ton vice cesse de s'étendre grâce à vos victoires. Ça, c'est pas... C'est une quête secondaire, ça. Mais on peut peut-être la faire. L'influence de ton vice ne cesse de s'étendre grâce à vos victoires. Vos exploits ne sont pas passés inaperçus. Même en matière de Ravendreff, le récit de vos victoires a résonné jusque dans les salles d'Oribos. Zozorg, le maître des conflits, souhaite vous rencontrer dans l'enclave. Je vous conseille de ne pas le faire attendre, le spécialiste de l'art de la guerre. Ah d'accord, donc il faut aller à Oribos. Bah écoutez, ça tombe bien. On a 2-3 trucs à faire à Oribos. Mais en tout cas, pour Ravendreff, malheureusement, c'est du farm pour le moment. Faut que j'arrive à cumuler 1000 ressources d'anima et actuellement je suis à 300. Mais attendez. Ah putain, pourquoi j'ai pensé 10 000 moi? J'ai dit combien? 90? Ouais, non, 90. Non, oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça. C'est ça. Du coup, dans 5 heures, je passe à 400. Tiens, d'ailleurs, tant que j'y suis, l'anima que j'ai là, je vais la déposer.
vous trouverez. Tant que vous ne posez pas trop de questions. Bon, j'ai pas grand chose là, mais voilà. Justement, est-ce que je peux. Plus d'aventures et de récompenses. En vrai. Ah non, je l'ai. Ah non, oui, je l'ai déjà. Restaurer la cour. Il reste ça pour 1500. Si vous décochez 2-3 bibelots en bon état, pensez à moi. Excusez-moi, ça a bugué. On peut essayer ça. On peut essayer ça. Allez, comme ça je laisse le réservoir à 1300 pour pouvoir partir en quête. Parce que là ça serait 1000 encore. Là, il me resterait 300 pour partir en quête. Le truc c'est que ça va finir par manquer. Hein. Je vais vraiment manquer d'anima pour le coup après. Ça va être le truc quoi. Et après c'est ça. Ah ouais, ça c'est l'utilisation des miroirs, mais j'en croise très peu. J'en ai croisé 2-3. Mais 2-3, c'est vrai qu'ils étaient par contre à des lieux stratégiques. Mais malheureusement, on devra s'en passer, je pense. Bien, et ben direction l'antre, dans ce cas. Enfin, direction Oribos, puis l'antre. On va voir ce que les 3 souvenirs que j'ai. Par contre, ça ira plus vite. Si je repasse par l'Outre-Terre. Comparé au fly, utiliser les 2 TP, c'est plus rapide. Attendez, je vérifie juste un truc dans OBS. Ouais, c'est bon. C'est ok. Je me souviens plus si j'ai récupéré. On va attendre qu'elle réapparaisse. Je me souviens plus si j'ai récupéré mes points de fidélité aujourd'hui. Faites le bon choix. Ouais. Gardez la tête froide. Donc ça, ok. Vous voulez regarder ma sélection? Je l'ai pas récupéré l'item. Tout est négociable. Vous n'êtes pas commode en affaire. C'est lié ce truc là.
Ouais, c'est lié. Pour vous, je n'ai que ce qu'il y a de mieux. Ouais, de toute façon, je le vends. Rien n'est sans valeur. Ok, donc ça c'est fait. Attendez, je suis mal placé pour jouer là. Du coup, ben direction l'antre, on va donner les trois souvenirs que j'ai récupérés. J'attendais que vous voilà de vous avoir en enregistrement pour pouvoir les donner. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis malheureusement, ben on va partir sur du farm, hein, du farm d'anima du coup. Donc quand on se reverra, peut-être que je serai renom 10. Voilà. Et je vais vous rapidement vous montrer 2-3 trucs sur Tourment. Parce qu'il y a 2-3 trucs à tenir en compte. C'est quoi ça? Courroux du geôlier. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air cool. A mon avis, c'est un truc qui doit se faire en groupe, ça, par contre, parce que, à mon avis, ça doit être vénère. Il y a une quête là. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant sans entrave? La règle numéro 6. On pourra faire ça. En ressortant de tourment. Dans le dos, c'est ça. Oui, il y en a une autour du cou. Ah d'accord, ok. Carrément relié dans le ciel. Bon, ok. Du coup, du coup, ça a rien débloqué. Je pensais que ramener des souvenirs comme ça pouvait avoir débloqué des trucs, mais non, ça m'a juste donné des pouvoirs supplémentaires. Du coup. Alors, Tourment, c'est 2 donjons. Il y a 2 donjons à multiples étages. Je vais vous montrer. Donc, le premier donjon, celui qu'on a fait en premier, c'est celui de gauche. C'est les salles de je sais plus quoi là. Non, c'est ça. Interstice cœur à argide. Du coup, voilà. Du coup, à chaque étage. Alors, on va décider en fait de quel étage on part. J'ai compris ça après. Donc on va partir de l'étage 1 à l'étage 8.
Les récompenses que l'on obtient, évidemment, sont différentes. Si vous avez le e-level nécessaire, vous pouvez partir directement bien en tête, comment, de directement en fait à un étage et vous allez récupérer les récompenses des étages précédents. Donc, si vous pouvez aller le plus loin possible, faites-le. Sinon, il faut faire les étages de toute façon un par un pour débloquer les suivants. Mais vous pouvez, par exemple, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord focus en fait le donjon là à droite. Donc voilà les étages supérieurs. Du coup, j'ai farmé ça jusqu'à arriver à niveau 6 où il faut que je sois e-level 180. Alors en vrai, e-level 170 ça suffirait. Mais voilà, ou alors avoir énormément de chance sur les pouvoirs d'Anima. Et une fois que j'aurai débloqué le niveau 6, je pourrai même aller au niveau 7. Une fois que j'ai débloqué en fait le niveau 7 ici, ça le débloque aussi pour le donjon là-bas. Du coup, si je débloquais le 7 et 8, en fait, je pourrais directement attaquer le niveau 8 de l'autre donjon, ce qui me ferait en fait économiser des étages à faire en fait. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais en fait, pour faire simple, farmez un donjon et quand vous atteignez votre limite, vous rattrapez votre retard dans l'autre donjon d'une seule traite. Vous prenez le niveau faisable pur, le faisable d'un seul coup et en fait, vous récupérez toutes les récompenses d'un seul coup. Là, ce qu'il faudrait, c'est qu'en fait, voilà, il faudrait que j'arrive à faire le niveau 6, alors soit des étages supérieurs, soit de l'autre salle là, pour enfin de l'autre truc, pour avoir mon nombre de mon cendre d'âme nécessaire. Mais je vous dis, il faut que je gagne encore 10 e-level et c'est compliqué. C'est compliqué parce que pour les avoir, il faut que je fasse des BG. Et je vous avouerai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour moi de jouer. Et beaucoup de travail. Parce que je rappelle que voilà, hein, YouTube, je fais ça pour le délire, hein, mais derrière, j'ai un travail, moi. On va voir ce que donne la règle numéro 6. Tous les mystères seront révélés. Je viens de faire une découverte fort intéressante, comme des jeux normands. Vous vous souvenez des négociants de mon cartel qui ont été capturés et envoyés dans les terriers? Eh bien, figurez-vous que les entreliges pensent avoir un moyen de me pister et que les molosses du geôlier ont été renforcés par d'étranges runes. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Ce nouveau cryptogramme protégera vos oreilles des cris stridents qui résonnent dans les terriers. Aventurez-vous dans les grottes et récupérez les runes afin que je puisse les étudier. Si nous voulons contrer leur pouvoir, je dois comprendre leur fonctionnement. Récupérer 15 runes, 15 runes traqueuses de négociants dans les terres. Accès au terrier. D'accord. Règle numéro 6. Inventer sans cesse de nouvelles méthodes de camouflage. Les entreliges trouvent sans cesse de nouveaux moyens de nous. Ce cryptogramme permettra de masquer votre anima dans leur terrier. Rapportez-moi les runes qui animent ces horreurs, que je puisse les étudier. D'accord, ok, oui, puis les terriers, c'est un territoire. Ok, territoire que on n'a pas fini hein, de.
parcourir. Enfin bon, bref, voilà. Hop. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est... J'ai du mal avec ça. J'ai vraiment du mal avec ça. Du coup... Bah du coup, ça tombe bien. Il va disparaître juste au moment où je vais le prendre. Non ? De l'autre côté. Vous n'êtes pas encore paré à entrer dans les terriers. Faites demi-tour. Comment ça? Ah. Ok, du coup... Faudrait que j'aille par là. Ah non, j'avais... Putain, il est bizarre ce caillou, j'avais l'impression que c'était un personnage qui était à genoux. Mais bon. Est-ce que je vais tenir? Oui, je vais tenir. Ah bordel, d'accord, ok. Excusez-moi, j'avais pas compris le truc. Je pensais que c'était dans toute la zone, mais en fait non. Du coup, faut que je suive la flèche jaune. Le célèbre sans entrave, je me dois, j'ai beaucoup entendu parler de vous, j'ai besoin de votre aide. Les uns ont drainé l'essence de mes compatriotes et s'en servent pour fabriquer des runes. L'un d'entre eux m'a lié à cet endroit, je suis certainement la prochaine victime, vous devez les éliminer. Je saurai vous récompenser, j'ai amassé une grande quantité non négligeable
de Stygie pendant mon séjour. Tatatac, éliminé. Je vous en prie, revenez vite. Bon. Ça va, ce que je lui ai mis dans la tronche. Pas bien compris le manège qu'ils ont fait là, les deux autres là. Ils ont fait le tour du pilier, ils sont apparus, ils ont fait le tour du pilier. J'ai pas choisi le meilleur pour lancer ma graine de croûte. Voilà. Ça, c'est déjà un peu plus efficace. Bon, il m'en reste 5 à avoir. Il y a lui là, mais c'est un sac à PV. Merde. J'ai pas fait attention à sa vie à lui.
Merde. D'accord, ok. Ah, oh, bordel. Ouais, oui, c'est vrai, putain. En plus, j'ai une immunité temporaire et c'est vrai que j'en profite pas. Ah, je vous jure. Ah. Oh. Pas le moment. Oui, il faut que je remette mon micro, ce sera mieux. Du coup, oui, donc il y a un certain Mavrock aussi à tuer. Que j'ai... Ouais, d'accord, que j'ai raté, mais c'est pas grave. Bon. On va passer sur le Teku, comme ça, là. Hop. Bon, d'accord, ok. Donc en gros, faut que je me fasse fuir. Je suis coincé. J'affaire, je suis coincé. Ouais, je vais me faire défoncer là-dedans. Peut-être pas.
peut-être une stratégie. Ok, lui je sais pas trop. Ça c'est une lame que je peux libérer si jamais on me propose la quête. Ah, il est là, super. Ça m'a validé la quête. Allez, hop, on se casse. En vrai, je peux même mourir, je m'en fous. Allez-y. Voilà. Putain, c'est chaud. Par contre, l'antre, hein, c'est raide. Déjà que ma classe, elle a été énormément nerf. Mais alors, dans l'antre, c'est un enfer. Ok, merci pour la mise en garde. Là, je suis gros, moi. Hop, allez. Alors, les Angelines, élèves des créatures magiques dans les terriers, leur puissance est considérable. Sans entrave, je n'ai pas d'autre choix que de m'en remettre à vous. Bien que je puisse vous fournir des informations, je dois admettre que vos talents de guerrier surpassent largement les miens. Chasser les bêtes qu'ils dressent pour vous traquer. Pouvez-vous prouver aux entreliges que nous pouvons aussi montrer les crocs. Mener une chasse à bien dans les terriers. Personnage joueur suggéré 5 quand même. Hein. Ça me paraît ardu. Ne revenez que si vous le devez vraiment. Bon. Ça aurait été sympa, les six règles là.
bien que ça s'étende jusque-là et qu'on voit pas plus que ça. Après, là-bas, le courroux du geôlier, je me demande bien ce que c'est, mais ça a l'air d'être violent. Hein. Du coup, ben, je sais pas trop quoi faire. Parce que de toute façon, ce que dit la campagne, c'est ben, récupérer des sources d'anima, quoi.